Parfois, quand on se promène, on se trouve devant un panneau qui indique « chemin sans issue ». C'est quelquefois ennuyeux. On croyait passer, mais rien à faire, il faut rebrousser chemin. Dans la vie, on se retrouve aussi parfois devant des cul-de-sac, des chemins sans issue. Quand on est amoureux d'une personne qui ne nous aime pas, quand on veut entreprendre telle formation, mais qu'on n'a pas les notes pour, quand on perd son travail, quand on est confronté à la maladie et qu'on ne peut plus vivre comme avant, quand un être aimé meurt. Nombreux sont dans la vie les chemins qui semblent nous mener à des impasses. Et on se retrouve comme devant un mur. On ne sait plus trop comment avancer. On se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne va plus pouvoir avancer, que c'est trop dur. La bonne nouvelle que nous dit la Bible ce matin, c'est qu'avec Dieu, il n'y a plus de cul-de-sac. Même l'impasse de la mort a été crevée. Dieu veut toujours ouvrir devant nous une porte, même quand on croit qu'on ne peut plus passer. Il y a toujours un chemin qui s'ouvre devant nous. Ô Seigneur, nous te le demandons ce matin, ravive en nous l'espérance. Amen. La grâce et la paix vous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui la force, la paix et l'espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de louange et de partage. Bienvenue à nos deux invités ce matin, Georges Kurdi et Daniel. Enfin, Daniel, je ne sais pas s'il faut qu'on t'accueille, puis c'est toi qui nous accueille dans ce lieu, puisque c'est ton lieu, on est chez toi ici. Et bienvenue évidemment à vous tous, nos paroissiens, à vous qui êtes peut-être ici en visite ou de passage pour la première fois, soyez particulièrement les bienvenus. Et une bienvenue aussi aux catéchumènes qui ont préparé ce culte et aux familles qui sont là. C'est un plaisir de voir toutes les générations ainsi réunies. Nous avons ce matin deux invités qui vont nous parler de leur expérience de vie, Georges et Daniel. Mais Tigrane est aussi partie prenante de ce culte avec la musique et vous l'avez déjà entendu. Il va nous faire découvrir aussi
son histoire, son pays, à travers sa musique, l'Arménie. Et merci à Tigrane qui prendra aussi tout à l'heure brièvement la parole. Une des choses les plus extraordinaires de la foi chrétienne, de l'espérance que nous puisons à la lecture de l'Évangile, c'est de croire que le Seigneur ne nous abandonne jamais et qu'il veut toujours devant nous ouvrir un chemin, nous aider à nous relever lorsque nous sommes abattus. Daniel, vous le dira peut-être, a dû fuir l'Érythrée, son pays, quand il n'avait que 17 ans, votre âge, pour éviter d'être enrôlé dans l'armée ou dans la guérilla. Georges a dû quitter Damas pour fuir la guerre après l'explosion de sa maison. Deux histoires de vie, de courage, de relèvement. Et c'est le thème de notre culte. Tout recommencer. Un culte que les catéchumènes ont préparé. Mais c'est aussi ce thème que les enfants vont aborder à leur manière. Et c'est Marie qui introduit ce thème pour eux maintenant. Alors aujourd'hui, nous, on va aussi parler de situations où on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et on va parler de ce monsieur. T'aimerais le tenir? Tiens. De ce monsieur qui s'appelle Moïse. Alors il lui est arrivé plein d'histoires à Moïse. Il est dans l'Ancien Testament. Et puis lui aussi, un jour, il s'est retrouvé face à une situation où il a dû partir pour tout recommencer. Et aussi, à un moment donné, il s'est dit, mais je ne vais pas y arriver. Et alors, il n'était pas tout seul dans cette affaire. Lui et tous les autres derrière lui, ils se sont aussi dit, mais on ne va pas y arriver. Et puis, on va voir comment il s'en est finalement sorti. Alors, les enfants, on va écouter une prière. Et puis, pendant qu'on chante, on sortira. Et on verra là-bas derrière, où il y a aussi Julie qui nous attend. Et on vous a préparé une histoire et un bricolage autour de Moïse. C'est Mila et Alaïs qui nous conduisent dans la lecture du psaume. Les psaumes ont ceci d'extraordinaire, qu'il y en a au moins un pour chaque circonstance de vie. Le psaume 23, bien connu, célèbre cette proximité de Dieu qui nous accompagne, même lorsque nous devons traverser des ravins d'ombre et de mort. Prions avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux de repos, il me mène. Il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Amen. Et nous allons maintenant chanter notre deuxième cantique, Mon seul abri, c'est à la page 700.
Voilà, nous souhaitons une très bonne rencontre aux enfants qui veulent rejoindre Julie et Marie. Et puis, nous allons maintenant donner la parole d'abord à Georges et à Daniel qui vont se présenter. Et ensuite, les catéchumènes leur ont préparé un certain nombre de questions. Bonjour tout le monde. Daniel et moi rendons grâce au Seigneur et exprimons notre reconnaissance au pasteur Emmanuel et à la paroisse pour nous avoir donné la chance de se joindre à cette belle communauté. Nous vous remercions de votre présence et de votre disposition à nous écouter. Permettez-moi de me présenter. Georges Kurdi, 73 ans, Syrien de nationalité, chrétien de confession, médecin de formation, père de 3 enfants et grand-père de 3 petits-enfants. Avec les situations que vous n'êtes pas sans connaître dans mon pays, bon, je ne vais pas détailler la situation en Syrie, sinon on sera là à la Pentecôte. La vie étant devenue le moins qu'on puisse dire insupportable, j'ai choisi l'exil et un concours de facteurs m'a mené vers Genève. Quelques mois après mon arrivée, mon visa et mon passeport ont expiré. Il m'a fallu attendre plus d'un an et demi pour n'obtenir qu'une admission provisoire ou ce qu'on appelle un permis F, avec toutes les contrariétés qu'elle impose, interdiction de quitter le territoire, limitation des soutiens et des facilités. Mais des personnes dotées d'une grandeur de cœur et d'une ouverture d'esprit m'ont été d'un grand soutien pour apprendre les us et les coutumes locales, décrypter la vie genevoise et petit à petit se tailler une nouvelle vie selon de nouveaux critères, avec des occupations inédites et des relations improvisées. Très facile à raconter en deux mots, mais ça a pris du temps et beaucoup d'efforts. Bonjour à toutes et à tous. La plupart du monde qui est ici, je crois que vous me connaissez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Solomon. Je viens d'Érythrée il y a 30 ans en arrière. Et j'ai 50 ans et j'ai 2 enfants. Et je voulais écrire comme Georges un texte, mais j'arrivais jamais à la fin. Du coup, je lui ai dit, je vais m'exprimer comme je le sens en fait. J'avais 17 ans quand j'ai quitté mon pays, mes parents, ma famille. Et c'était un moment très difficile parce que j'ai dû traverser plusieurs pays avant d'arriver en Suisse. C'était pas un parcours facile de quitter sa famille, de se trouver dans un lieu tout nouveau, une langue différente que la mienne, un paysage complètement différent aussi. Mais j'ai tout recommencé. Aujourd'hui je suis très heureux d'être ici parmi vous et d'ailleurs comme Emmanuel vous a dit, je travaille ici, j'apprécie tous les collaborateurs qui me soutiennent dans mon quotidien, qui m'encouragent aussi et j'irai dans les détails avec les questionnaires que vous me poserez, voilà. Si vous me permettez. Il y a du suspense. Alors, on a une longue discussion avec les catéchumènes. On a aussi reçu l'autre jour un autre ami qui a aussi vécu l'exil forcé. C'est mon collègue Gabriel Amissi, qui est pasteur à Chênes et qui est venu parler aussi aux catéchumènes l'autre jour. Et sur la base du témoignage de Georges, que les jeunes ont entendu, de l'histoire de Daniel qui connaissent un peu et Gabriel, ils ont préparé un certain nombre de questions et je les trouve, oui, c'est des questions intéressantes
Et alors on va, dans le fond, alterner les réponses de l'ange et Daniel, mais si l'un veut rajouter quelque chose à ce que dit l'autre, reste là Daniel, ne fuis pas. Ah non, il ne fuit pas, là il prépare sa masque. Voilà. Alors c'est Aliénor qui pose la première question. Pour Georges, quand vous êtes arrivé en Suisse après avoir dû tout quitter, qu'avez-vous ressenti? Ah. Ben, drôle d'histoire. Ben, voilà. Ben, armé de mon diplôme, de mes 40 ans d'années d'expérience, tenant en main une offre d'emploi et s'appuyant sur un réseau de relations construit au fil du temps, j'étais tout à fait confiant que ma vie se poursuivra naturellement, rien qu'avec un changement de décor, un peu comme si on déménageait dans le quartier d'à côté. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Et voilà, des complications administratives, le refus du médecin cantonal, le retard du permis. Et voilà, j'ai senti que tous ces atouts, dont je me sentais bien fort, ben, ils ont fondu comme un chocolat au soleil en plein août. L'impossibilité de concrétiser mes plans m'a plongé dans une dépression. Bon, Dieu merci, ça n'a pas duré très longtemps, où j'avais le sentiment que toute ma vie s'était écroulée. J'étais un peu, comme vous avez dit, dans une impasse. Et je me rappelle que j'ai passé pas mal de temps dans l'appartement qu'une amie nous avait cédé, à ne rien faire à part boire du café, fumer sur la terrasse, regarder la télévision, rien du tout. Mais après, les jours ont changé et un jour, je me rappelle très bien, j'étais là et j'ai dit, mais ça ne peut pas continuer, ça doit changer. Et effectivement, bon, ça a pris du temps, de l'effort, mais ça a bien changé. Pour Daniel, comment avez-vous pu supporter la séparation avec votre famille et qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie d'avant? Supporter, c'est pas facile. Au début, c'était très difficile parce que je n'étais jamais sorti de la famille, ne serait-ce que pour un voyage tout seul. Du coup, c'était très dur de séparer de sa famille. Et comment j'ai pu... qu'est-ce qui manque de plus? Bah, c'est chez moi, tout simplement. Et la famille, les amis, le quartier, les amis d'école, toutes les activités avec qui j'ai pratiqué, tous ces gens-là. Et c'est dur de se séparer d'eux. Et puis en disant que je vais les retrouver, j'avais l'espoir de les retrouver. Puis plus le temps passait, et ça devenait impossible. Et ça, c'est le plus dur, quoi, en fait. Mais avec l'espérance, on espère qu'un jour, on va se retrouver et on va de l'avant. Parce qu'on est toujours... il y a toujours Dieu derrière vous qui vous soutient aussi. Et ça, c'est important, quoi. Et ça nous donne l'espoir pour les revoir de nouveau. Tu peux dire combien de temps tu étais séparé de ta mère, par exemple? J'ai vu ma mère après 17 ans. Et c'est vrai que ce n'était pas une situation simple, ni pour elle, ni pour moi. Peut-être un peu plus pour elle, parce que c'est vrai que j'étais jeune. Et j'avais envie aussi de découvrir beaucoup de choses.
Et c'est vrai que l'avoir retrouvé après 17 ans, c'était un choc, quoi. Parce que moi, je suis devenu un homme, et elle a pris l'âge, et c'est vrai qu'à l'aéroport, c'était très difficile. Mais voilà, je suis content de l'avoir retrouvé, comme quoi l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est ça qui est important. Pour Georges, comment faire quand on arrive dans un pays dont on ne connaît pas la culture, l'organisation ? Qu'est-ce qui a été particulièrement difficile ? C'est vrai que la clé principale de l'intégration, c'est la langue. Mais toute intégration est un long chemin de recherche, de découverte et parfois de lutte. À chaque angle guette une épreuve avec une possibilité d'échec. Bien que maîtrisant parfaitement la langue française à mon arrivée, ayant fait d'innombrables séjours en Europe et même à Genève, le premier remonte à 1981, c'était notre lune de miel. Mais une fois installé, j'ai constaté que le tourisme, c'est une chose, et vivre dans un pays, c'est tout à fait autre chose. Il y avait des tas de choses à découvrir, à décrypter, à commencer par les provisions, à chercher des activités, les démarches administratives, comment ça fonctionne, même que trouver une église, l'adhésion à une église n'a pas été très très facile. Mais quand même, il y a eu des gens, des personnes qui m'ont vraiment aidé à le faire. Et là maintenant, je me retrouve dans une situation, peut-être pas exemplaire, ni idéal, mais quand même où je me retrouve bien vivant à Genève autant que possible. C'est une question pour Daniel. On n'arrive pas à s'imaginer ce que ça doit être de se retrouver subitement dans un environnement complètement inconnu, sans parler la langue, sans connaître personne. Vous n'avez pas été un peu découragé? Découragé? Oui, par moment. C'est quand on se trouve tout seul que il y a plein de questions qu'on se pose, et puis comme on ne trouve pas de réponse, c'est vrai qu'on est découragé. Mais en même temps, on voit toujours qu'il y a l'espoir. Parce que si vous n'avez pas ça, hein, en vous, c'est difficile d'avancer, quoi. Et par la force des choses, on ne doit pas décourager, parce qu'on voit aussi sur votre parcours d'autres réfugiés qui sont dans la même situation, et ça vous aide aussi dans un sens où vous dites que vous n'êtes pas seul. On se comprend, on s'épaule assez bien aussi dans le voyage, et ça nous donne un peu de force pour ne pas décourager, parce que on a un but à atteindre, c'est sauver sa vie. Donc tant que notre vie n'est pas en sécurité, on n'a pas le droit d'être découragé, au fait. Ça, c'est inconsciemment, il y a quelque chose qui s'installe en soi, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. C'est une question pour vous deux. Dans cette expérience difficile, en quoi Dieu a-t-il été un soutien ? Ou alors, en avez-vous plutôt voulu à Dieu de devoir subir cette épreuve ? Euh,
Alors écoutez, les contraintes du quotidien et l'inquiétude pour l'avenir, l'incertitude, cette période de flou que j'ai vécue au début, elles n'ont pas affecté ma confiance en la présence de Dieu dans ma vie. Car ça ne vient pas, c'est pas inné, mais bon, c'est vrai que j'ai tout eu beaucoup, plusieurs décennies derrière moi, et j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie sur des plans assez différents, financiers, sociétals, voilà, par-ci, par-là, et où je me retrouvais un peu dans ce que vous disiez, l'impasse, le cul-de-sac, hein. Mais il s'est trouvé toujours qu'il y avait une personne, ou même peut-être plus, qui se présentait dans ma vie, donc qui se présentait dans mon parcours, et qui finalement m'aidait à sortir du pétrin. C'est dans la rencontre fortuite de telle personne que j'appréhende la présence de Dieu dans ma vie et que je perçois son amour. C'est ainsi que je me qualifie par expérience de croyant, de pratiquant et d'engagé. Pour ma part, si j'en voulais à Dieu un petit peu, quand je voyais que ça jouait pas, mes espérances n'arrivaient pas à but, bien sûr, j'en voulais un peu à Dieu, mais en même temps, tout en réfléchissant, je me dis, c'est plutôt aux hommes qu'il faut en vouloir, parce que c'est les hommes qui créent les problèmes, et Dieu, il est pour rien pour ça, dans tout ça, quoi. Et je ne peux pas en vouloir à Dieu, parce que, quelque part, c'est parce que, si je suis là, c'est que, forcément, il m'a envoyé des anges, toujours à mes côtés, pour que j'aie un beau parcours, et que j'arrive jusqu'ici. Donc, au contraire, je ne peux pas en vouloir à Dieu. Je peux que remercier à Dieu de tout ce qu'il m'a donné jusqu'à aujourd'hui. Cette question, elle est aussi pour vous deux. Comment avez-vous trouvé la force et le courage de tout recommencer? Et y a-t-il quelque chose de positif que vous gardez de cette tragédie? Ah ben, c'est évident. La situation, si on ne la vit pas, est beaucoup plus pesante que qu'on ne puisse l'imaginer. Mais quand il y a des mains qui vous sont tendues, des cœurs qui s'ouvrent pour vous, l'accueil des uns, l'accompagnement des autres, avec empathie et affection, tout ça était des éléments essentiels pour reprendre confiance en moi et découvrir de nouveau un goût à la vie. Et voilà, c'est une occasion que je ne vais pas rater pour remercier mon cher Emmanuel, qui fut parmi les premières personnes que j'ai croisées à Genève, et qui, depuis et jour après jour, me témoigne beaucoup de respect, beaucoup de confiance, beaucoup de cordialité, qui m'a introduit à sa famille, ses parents, son épouse, ses filles, etc. Et là, c'est l'occasion de te dire merci, Emmanuel. Et c'était une grande aide. La force et le courage, c'est souvent c'est les autres qui vous donnent, en fait. Par quelques mots gentils,
en disant que tout ira bien. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé en Suisse, j'étais bien accueilli. J'ai eu des très bons assistants sociaux qui m'ont encouragé, qui m'ont donné la voie qu'il faut prendre pour bien s'intégrer, pour apprendre la langue. Tout ça aide beaucoup à être positif et à aller de l'avant. Et je relis juste la question. Voilà, c'est les gens qui vous donnent la force. C'est les gens qui vous donnent le courage d'aller de l'avant. S'il y a quelque chose de positif que je peux retenir, bien sûr, je suis arrivé en Suisse, j'ai dû tout recommencer et j'ai réussi à fonder une famille, j'ai 2 enfants, je suis très heureux. La chose positive, c'est que j'ai un très bon travail, j'ai des collègues de travail, des pasteurs magnifiques, des conseillers magnifiques. Tous les collègues, tous les travailleurs de la paroisse, ils sont géniaux et moi je suis très heureux, quoi. Donc c'est ça que je garde positif dans la vie. Un immense merci à Laure et Daniel pour votre participation et les réponses tout en humanité et en nuances que vous nous avez apportées ce matin, et nous-mêmes nous nous sentons bien petits devant ce que vous avez dû affronter comme difficulté. Votre histoire de vie, même pour nous qui vivons dans un pays en paix et on le mesure chaque jour davantage, et pourtant je le crois source d'inspiration, elle nous rappelle combien le Seigneur est le Dieu de la résurrection n'étant pas seulement une espérance pour l'au-delà de la mort, mais ce principe de vie, cette force de relèvement agissante dès à présent, chaque jour de notre vie, surtout lorsque nous nous retrouvons dans une impasse. Le Seigneur, c'est vrai, nous en a fait cette promesse, toujours il nous conduit, même à travers nos impasses, il ouvre devant nous un chemin. Alors ce matin, le témoignage de Georges et de Daniel remplace largement toute prédication. Alors je n'ajouterai rien. Nous avons simplement voulu laisser un texte biblique en conclusion, un extrait de la lettre que le prophète Jérémie adresse précisément à son peuple, alors exilé. Ce sont Tristan et Aliénor qui nous en font maintenant la lecture. Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet. Oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières et moi, je vous exaucerai. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même. Et je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Je vous restaurerai. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés. Oracle du Seigneur. Amen. Avant d'entendre une transition musicale qui nous conduira à la liturgie de scène, Tigrane, lui aussi, vit une situation compliquée et un cœur brisé avec ce qui se passe dans son pays, l'Arménie, et il nous dit 2 mots. Bonjour. Alors aujourd'hui, on vous présente quatre morceaux de la musique arménienne. Il y a deux chansons populaires et il y a... c'est ce qu'il y a avec piano et aussi avec l'orgue, c'est la musique spirituelle. La situation en Arménie actuellement, elle est
très très dangereuse, très grave, gravissime on peut dire. Vous savez que l'Arménie c'est un pays très ancien, on a 4500 à peu près ans de notre chronologie arménienne, voilà. Et tout ce temps, on se trouve sur un carrefour du monde, on peut dire. Le plus dynamique carrefour du monde, c'était toujours, il avait toujours les invasions, les guerres religieuses, les migrations, et en même temps, c'était un des lieux principaux pour de commercial et aussi d'échanges de civilisations. Et voilà, maintenant, on est vraiment dans une situation très, très grave parce qu'on a toujours une guerre constante avec notre voisin et encore, il y a, je dirais, quatre pays puissants qui veulent la disparition de notre État. Et voilà, maintenant, ils veulent aussi effacer toutes les traces de notre civilisation. Aujourd'hui, on va vous représenter maintenant la chanson Krunk. C'est une chanson qui ça veut dire Krunk, c'est la grue en français. C'est un émigré arménien qui s'adresse à cet oiseau, un symbole de migration, il demande est-ce qu'il y a les nouvelles de la patrie, de sa patrie. Voilà. Thank you.
qui n'a connu la nuit ne connaît pas le jour. Qui n'a connu le doute ne connaît pas la foi. Même toi, Jésus, même toi, le propre Fils de Dieu, tu hurles sur le bois de ta croix devant l'apparent abandon de ton Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Osons-nous l'avouer, la foi en ton amour, nous ne l'avons que parfois. Nous ne sommes croyants que par intermittence. Au calendrier de notre espérance, nous sommes si souvent vendredi saint. Tant de fois nous pourrions faire le nôtre de ce mot de Bernanos. La foi, 24 heures de doute, moins une minute d'espérance. Mais il nous faut franchir le gué de la nuit, croire malgré le poids des jours et sans lumière à cette minute. Cette toute petite minute, ces 60 pauvres secondes où l'espérance vient rouler la pierre des tombeaux de nos vies. Heureuse minute où il nous est donné de croire que tout est encore possible, que nos existences, quelles qu'elles soient, peuvent se remettre debout, qu'on peut toujours tout recommencer avec le Seigneur comme guide. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique qui se trouve sur votre feuillet « Tu peux naître de nouveau ». J'invite Georges et Daniel, mais aussi Diane, Sophie, Charlotte et Kim à nous rejoindre à la table. C'est Daniel. Georges. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la redonna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en buvez. » Et avant d'entrer dans le temps d'intercession, voilà que les enfants nous rejoignent pour ce temps de fin de culte avec ce qu'ils ont préparé. Venez les enfants, vous pouvez revenir sans autre. Nous allons prier et c'est Diane qui commence à nous conduire dans la prière. Ô Dieu notre Père, tu vois ce monde avec tout ce qu'il a de plus beau, mais aussi son océan de détresse dans lequel sont plongés tant d'êtres humains. Aucune souffrance n'échappe à ton regard. Nul cri de douleur ou de désespoir qui ne parvienne jusqu'à toi. C'est pourquoi nous voulons te prier pour tous ceux qui souffrent sur la terre. Nous pensons en particulier à celles et ceux qui sont victimes d'oppression, ceux qui sont privés de liberté, les enfants exploités et toutes celles et ceux qui ont dû fuir leur pays. Nous te prions aussi pour l'Arménie, Israël et la Palestine, l'Ukraine, Haïti, la Syrie, l'Érythrée, l'Iran et tant d'autres pays soumis à la violence. Suscite des artisans et des artisanes de paix et renouvelle leurs forces. Nous te remettons tous ceux qui dans leur vie sont arrêtés à cause de leur santé, de leur travail, de soucis de famille, parce qu'ils ont perdu le goût de vivre. Accompagne-les, dis-leur, redis-nous combien tu es le Dieu qui, toujours devant nous, ouvre un chemin. Renouvelle en chacun de nous la force et l'espérance. Nous te prions encore pour ceux qui nous sont particulièrement chers et que nous te remettons dans le secret de notre cœur. Et maintenant, toutes nos prières, nous voulons les réunir dans celles que ton Fils, Jésus le Christ, nous a enseignées et que nous te disons d'un même cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus qui nous offre la vie en partage. Amen. Seigneur, nous ne sommes jamais assez croyants, nous ne sommes jamais assez préparés pour te recevoir, mais toi, tu es allé manger dans la maison des pécheurs. Alors aujourd'hui, nous t'accueillons tel que nous sommes, avec la joie de savoir que tu viens à notre rencontre. Oui, Seigneur, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de sentir la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Frères et sœurs, nous sommes tous les invités au festin de la vie. C'est le Seigneur lui-même qui nous convie à sa table. Nous communierons par défilé. Vous viendrez bien vous avancer par
le couloir central ici, enfin celui qui est ici. Je me tiendrai pour vous remettre le pain, puis on vous tendra les verres. Le rouge, c'est du jus de raisin, le blanc, du vin, puis vous reposerez les verres sur le plateau qui vous sera tendu au bout de votre parcours. Nous commencerons par cette travée qui est sur ma gauche, puis celle-ci, et enfin, en dernier, par la travée qui longe l'orgue. J'invite Tristan à nous rejoindre, et puis vous pouvez reprendre place, sauf Diane qui reste ici. Non, Sophie et Diane. Oh.
Nous arrivons bientôt au terme de notre célébration et quelques annonces. D'abord pour vous dire que Daniel a préparé pour nous un magnifique hall où il y a d'abord le stand après-culte avec café, thé, jus. Et puis après, pour ceux et celles qui le souhaitent, nous prolongerons par un repas. Et c'est toujours un moment très, très chaleureux et convivial. Alors n'hésitez pas à rester, même si vous n'avez rien préparé. Il y a toujours des petits trésors dans cette paroisse qui permettent de sustenter tout le monde. N'hésitez pas aussi à prendre toutes les informations sur la vie de la communauté. Si vous n'êtes pas des habitués de notre paroisse, il y a le journal, il y a la feuille du mois. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées. Il y a des feuillets qui sont à disposition de manière à ce que vous receviez toutes les informations directement. Il y a beaucoup d'activités, je ne vais pas les passer tout en revue. Et puis, dans ce temps troublé, nous aurons, je le rappelle, à nos catéchumènes, la chance de rencontrer le rabbin François Garay. Donc, lundi, donc on se retrouvera pour nous à la synagogue comme convenu. Il y a cette semaine le Café Contact à Malagnou. C'est toujours un moment très sympa où on prend des nouvelles les uns des autres à 10h à Malagnou. Et puis l'après-midi, il y aura la rencontre d'Éveil à la foi avec Marie qui nous a préparé une magnifique rencontre. Tout à l'heure, nous aurons encore le cantique et l'offrande. Mais comme vous le savez, dans notre pays, l'automne rime avec rouleau de printemps. C'est pas logique. Mais c'est comme ça depuis une éternité et c'est évidemment en soutien à l'association Contact Jeunes. Plusieurs de nos catéchumènes du reste font partie aussi de cette association chrétienne magnifique qui a ses activités et ses locaux à Malagnou avec lesquels nous sommes extrêmement liés. Et cette vente, voilà, ils vont nous l'expliquer mieux que moi. Et il y a une délégation qui vient nous présenter cela. Faites-leur bon accueil à la sortie, sinon après on se fait enguirlander par Chris. Oui, bonjour, merci pour votre accueil. Alors comme presque tout a déjà été dit, nous avons nos locaux à Malagnou, donc on voulait d'abord commencer par vous remercier de nous mettre ces locaux à disposition. On a aussi un club qui se déroule à Aunay. Je vais juste laisser la parole à Michaela pour qu'elle nous dise en deux, trois mots ce qu'on vit à Contact, et après je vous parle des rouleaux. Bonjour, en fait, à Contact, on a des clubs tous les vendredis et aussi les mercredis et on fait des jeux et après on discute en petits groupes ou des choses comme ça. Et aussi, on fait des camps, genre la semaine prochaine, on fait un camp et aussi en hiver et en été. Et on parle aussi de Dieu un peu et c'est sympa. Voilà. Merci. Donc, cette vente de rouleaux de printemps qui a lieu le 18 novembre, elle sert à financer ces activités pour qu'on puisse, entre autres, avoir deux personnes qui travaillent, enfin, on est trois à travailler pour Contact Jeunes, et puis aussi qu'on puisse soutenir les jeunes qui n'auraient pas les moyens de partir en camp. Pour ce faire, donc, on vend les rouleaux de printemps à 4 francs pièce, c'est un peu des excellents rouleaux de printemps, absolument, que vous pouvez, voilà, donc ils vous seront livrés à domicile le 18 novembre, où vous pourrez venir les récupérer à la paroisse de Malagnou, ça vous pouvez nous l'indiquer au moment où vous prenez la commande. On a des rouleaux végétariens, crevettes ou viande. Et puis simplement, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir à la sortie. On se réjouit de vos commandes, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions d'occuper nos locaux aussi bien. C'est un plaisir d'avoir Contact Jeunes dans nos locaux avec lesquels on entretient de magnifiques relations. On retrouve dans l'assemblée un certain nombre de plus âgés, je tairai les noms, qui furent des piliers de Contact Jeunes et qui sont là avec leurs enfants. D'autres, voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de liens et on se réjouit. On vivra aussi le culte, un prochain culte invitation au Rameau avec Contact Jeunes. Donc faites bon accueil au rouleau de printemps d'automne. Et nous allons chanter notre dernier cantique, Quel ami fidèle et tendre. C'est un cantique qu'on ne connaît peut-être un peu moins bien. Tigrane va nous le jouer une première fois et puis nous le chanterons ensuite. C'est pendant ce cantique que l'offrande est recueillie. Faites bon accueil. Thank you.
vous invite à rester debout pour les paroles d'envoi et la bénédiction. Ne vous a-t-on jamais ressuscité? Personne ne vous a-t-il jamais parlé, pardonné, aimé assez pour ressusciter? De votre côté, n'avez-vous ressuscité personne? Avez-vous fait l'expérience de la puissance de vie qui jaillit dans un sourire, dans un pardon, dans un accueil, dans une présence, dans une guérison? L'amour donné et reçu ne vous a-t-il pas rendu plus vivant? Ces petites résurrections immédiates dont notre existence est parsemée sont le signe de la grande résurrection qui nous est promise. L'amour de Dieu est plus fort que tout, et le Seigneur, toujours devant nous, ouvre le chemin. Comme le dit le prophète Jérémie, « Je vous donne un avenir et une espérance. » Que la bénédiction de Dieu nous conduise et nourrisse cette espérance. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacune et chacun d'entre nous. Amen. Et nous entendons un dernier morceau que Tigrane a préparé pour nous. Et merci à l'ami de Tigrane, dont je ne connais même pas le nom, mais qui a une voix magnifique, et je vous remercie infiniment.